bâtiment. Je sais même pas quoi dire. Voilà. Non, en vrai de vrai, j'espère que vous allez bien. Attendez, je me sens un peu. J'espère que vous allez bien, la team. Petite vidéo là. On voit le Dubai Frame, le grand cadre là. T'as pas vu? Du coup, ouais, je suis à Dubaï, une semaine. Je voulais faire une petite vidéo quand même. J'hésitais entre faire plusieurs petites vidéos, mais je pense que je vais faire une grosse vidéo. Où je vous montre un peu tout. J'ai plein de rien filmé. Là, avant là, que je vous parle, normalement, il y aura quelques petits plans. L'avion vite fait, quand j'arrive, j'ai pas non plus trop filmé parce que c'était super fatigant et long. Il y a eu des petits problèmes à Charles de Gaulle, donc c'était long. Surtout que j'étais sous nuit blanche, plus ramadan. Donc, ouais, hier c'était une très très longue journée. J'ai bien dormi, là, je viens de me réveiller, il est 9h. Donc, ouais, une petite vidéo comme ça, juste pour dire que bien arrivé. Donc, on va se balader, louer une voiture là. Donc normalement on a de quoi tourner, donc on va se balader hein. Je pense que je vais faire une vidéo type vlog comme ça là où je vais juste vous balader, vous montrer n'importe quoi. Quand je serai à des spots ou des endroits stylés. Et je vais faire une vidéo je pense pop driving. Alors juste je vais mettre le téléphone, j'ai mon petit support pour le mettre sur mon crâne et je vais juste conduire dans la ville, trouver un beau petit spot. Et juste conduire la voiture, on a loué une petite Mazda 6 là. Parce qu'il fallait qu'on mette les bagages et tout parce que je suis avec ma mif. Heureusement je peux pas louer un petit truc tuning. De base, je voulais louer une Golf 8 GTI parce que ça coûte littéralement pareil, le même prix, c'est pas cher du tout. Mais il n'y avait pas assez de place, c'est trop petit le Golf. Donc voilà, là, tiens. Je sais pas ce que je fais aujourd'hui encore. La jeune spawn, on verra. J'essaierai de filmer un maximum, de montrer un maximum pour que vous voyez ce qu'est cette dinguerie de ville. Pour l'instant, c'est une folie déjà. Hier, juste en sortant de l'aéroport, j'ai déjà le régulier trafic, c'est-à-dire les voitures lambda ici, c'est une folie. Genre. La voiture lambda, c'est un Chevrolet Suburban, c'est un truc énorme. 50%, non mais plus en vrai, 75% du trafic, c'est des voitures du marché américain, donc des voitures énormes, et des voitures tuning partout. Je suis sorti, je presse des GT86, foutu direct tuning, un gang de Hayabusa avec des strobes et des néons RGB, comme si on était au Japon, des Civic Straight-Pipe, des Lexus ISF, tuning de fou. Plein de gamos évidemment, des Ferrari, Roma, California, ça c'est des Golf ici, il y en a plein. Des Aston Martin, pareil, il y en a tellement. C'est des supercars mais qui sont quand même entrée de gamme, tu vois. Il y en a partout, genre, c'est tous les bâtiments, frère, non mais c'est énorme. Et l'autoroute, je sais pas si c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Je sais pas où elle est ici. Je crois que c'est vers là-bas. Parce que normalement, vers là-bas, il y a la mer et du coup, t'as la route qui fait comme ça. Et on va faire, c'est une folie. 20 voies, c'est. En vrai de vrai, c'est choquant. En fait, c'est rien du tout comme on connaît en Europe. En fait, c'est littéralement les États-Unis importés dans un pays arabe. C'est pas mal. Un pays arabe et musulman, donc c'est bien parce que j'ai mangé au KFC. C'était des millénaires, j'avais pas mangé au KFC. J'étais petit, je crois. En vrai, c'est vraiment pas mal. Pour l'instant, je suis plutôt content. Donc, on va voir comment ça se dessine. Et voilà, j'essaierai de vous montrer un maximum là-dessus. Bisous. En tout cas, je suis très heureux. Je parle un peu avec un ton monotone, c'est juste que je suis fatigué. Allez, bisous la team, je vais sauter rapidement. On est là. Et là, il y a la piscine. Je vais encore arrêter, je vais vous montrer après. Pas mal, hein? Ah, j'aurais dû vous filmer l'entrée de l'hôtel de la réception. Il y a un Classe G devant. Une 963S. C'est pas mal. Dans le parking aussi. Oh, je vais faire ça. Un petit carspotting. Je vais faire un petit carspotting en parking de la tour en bas. Il y a pas mal de jolies bagnoles. On verra un peu. Classe G, c'est la Clio ici.
Yo la team, il fait super beau, il fait super chaud là. Hier on s'est un peu baladé, on est parti à pied, descendu comme ça, on a marché tout ça, on est parti au mall. Au mall, j'ai acheté des... Je vous montre. Hop. Ça, ça c'est ma mère. Donc ouais, ma mère elle a acheté un petit parfum pour elle et pour mon père. Donc moi j'ai acheté pour moi et pour Salim, je le ramène bientôt. Voilà, donc on est parti au mall, puis après on a attendu, c'était le dernier jour de Ramadan, donc on a mangé. Après on a regardé la fontaine, etc. De toute façon, normalement je vous ai mis quelques petites vidéos. J'ai juste pris quelques petits plans et tout, enfin un petit montage mignon. Il n'y a pas grand chose à raconter, donc voilà. Et aujourd'hui je pense qu'on va prendre la voiture, aller à la marina qui est genre loin, un peu loin par là-bas, enfin loin, une quinzaine de minutes je pense. 15-20 peut-être. Voir un peu tout ça et je pense que au coucher de soleil on va essayer d'aller là-bas qui est Dubai Creek. Depuis là-bas on voit toute la skyline comme ça avec le Burj Khalifa et le coucher de soleil qui est derrière, donc là normalement je vous ferai des beaux plans. Puis voilà, et après je pense que je vais dormir un petit peu et ressortir dans la nuit. L'objectif c'est de faire une vidéo un peu pauvre driving, conduire dans la nuit, essayer de trouver des petits spots. Je sais pas quand est-ce que je ferai un peu de contenu de bagnole, mais j'ai des concessions à aller voir, je vous montrerai, mais tout de suite je pense que je vais y aller à une salle de sport. La piscine, je sais pas où elle est, je crois qu'elle est en bas, j'ai même pas visité encore notre endroit. Il y a une piscine et une salle de sport, je vais descendre, je vais faire une petite séance, piquer une petite tête dans la piscine, remonter, me doucher, et après on va faire ce que je vous ai dit. Team. C'est une bonne journée. C'est l'Aïd, j'ai oublié de le dire, c'est l'Aïd. Aïd Mabrouk à tous les frères. Que Dieu vous préserve et votre famille aussi. J'espère que vous avez passé un bon Ramadan. Bisous à la team. La team, on a pris la bagnole de location. Je me suis garé juste devant la petite GT86. Je me suis dit, allez, je me garde, je voulais la filmer. On est... petit hélicoptère là, on est tout au bout, un peu à gauche là de la palme. Et on est allé tout au bout, on s'est arrêté. Je vais vous mettre l'endroit exactement. Faut pas que je le dis comme ça quand je ferai le montage. Et là, et franchement, c'est insane. Là, il y a encore des énormes trucs en construction. Et... alors, franchement, c'est fou. Hein. Et puis, on a vu ce petit mec là, tuning. Que je me suis dit, vas-y. Il a vraiment des. C'est le petit moment tuning, mais il a des works. C'est vraiment des WorkX D9, des vrais jantins. La team là, on est au même endroit. Enfin, un peu plus loin du coup. On avance un peu la voiture. Blue Waters Island, c'est là. Il y a la grande roue là. C'est là où on était tout à l'heure et on voyait tout. Je sais pas si vous pouvez voir là-bas. On voit tous les bâtiments tout le long. Et là, normalement, quand on va au bout, il y a un petit pont et je crois qu'on peut tout voir. Il y a écrit sur Google Maps qu'il y a un point de vue. Et souvent quand Google Maps il dit qu'il y a un point de vue, bah, c'est quelque chose. Le truc c'est qu'il fait pas très beau là, ça c'est couvert un peu. Et puis même, je sais pas si vous voyez, mais dans l'air c'est un peu brumeux. On verra. On voit un petit peu la fin de la marina. La marina ça fait de là à là. Et vous savez, au milieu, genre il y a tous les bâtiments partout. C'est un genre de rectangle. Et au milieu il y a la petite rivière qui fait des vagues comme ça. Il y a les bateaux, des yachts garés tout partout. C'est souvent les photos de Dubaï qu'on voit le plus souvent, c'est comme ça. Heureusement, on voit pas derrière à cause du pont et des constructions. La team, on voit tout. Donc, tout ça, c'est la marina. Et nous, encore, nous, ce qu'on est où il y a plein d'autres tours et le Burj Khalifa, c'est plus loin vers là-bas, dans le downtown. Franchement, c'est insane. C'est juste dommage qu'il fasse pas beau, ça c'est couvert. Peut-être d'ici la fin de la semaine, si on parvient à revenir, mais parce qu'il va faire, ça va s'éclaircir, mais déjà là, comme ça, c'est franchement, c'est une folie. C'est vraiment une folie.
Là, on est de l'autre côté de la Palme. Je vais faire un screen, je vais vous le mettre pareil. On voyait la marina. Là, on est de l'autre côté. Du coup, on voit le centre-ville. Et du coup, voilà, hein, c'est là-bas où on est, parmi tous ces bâtiments, dans le downtown. Nous, ce qu'on voyait, c'était la marina de l'autre côté. Entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Si, là, il y a deux, trois petits tours. Les tours jumelles, là, elles sont belles. Les Pakistanais qui prennent des photos. Le Burj Al Arab. L'hôtel 1 million d'étoiles, là. Avec les lipas d'en haut, tout le monde connaît, c'est ça. Il y a deux vraiment gros endroits très fréquentés, c'est du coup le centre-ville. Et de l'autre côté, du coup, qu'on voit plus parce que c'était derrière, ce que je vous ai montré juste avant, la marina. C'est vraiment immense, c'est rien comme ce qu'on connaît en Europe, rien à voir. C'est fou. Voilà la team, c'est tout pour l'instant. Si je vais réussir à vous montrer, non, on se rend pas trop compte. Et puis c'est surtout là-bas, là, genre vraiment de l'autre côté là-bas. Et cette soirée de l'Aïd là, il y a tellement de peuple. C'est blindé. Il y avait énormément de bouchons là pour revenir. Ah oui, il y a la Dubai Creek dont je vous parlais tout à l'heure, ça on ira, je vous montrerai aussi. Et il y a le grand bordel. Non mais ouais, c'est fou. Vous avez vu tout à l'heure, on se rend pas trop compte, mais de loin, il fait vraiment le double de genre ces tours-là, qui sont déjà énormes. Ça fait au moins le double. On pouvait voir quand on était loin. Je sais pas encore ce que je fais, donc je vais juste vous montrer le petit plan du soir. C'est très beau. Franchement, c'est joli. Allez, bisous. La team, toujours pas très beau. On est l'après-midi là, presque 17h. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. Hein. Attendez, il y a Whitney Houston qui gueule. Je sais pas si vous entendez la musique. Bon, bref, aujourd'hui, j'ai beaucoup dormi pour une fois que je me lève pas super tôt, super tôt le matin comme hier et avant-hier. Et puis après, je chill un peu, j'ai pas fait grand chose. Je suis pas très beau malheureusement. Là, ce que je vais faire, c'est qu'il y a une petite salle de sport en bas. Donc je vais aller, je fais une petite séance et après, je vais peut-être plonger ma gueule un petit coup dans la piscine. Ce que je voulais faire, si on va pas là-bas, c'est la piscine, elle ferme à 22h. Donc on a large le temps de se baigner la nuit et avec la vue comme ça. Parce que la piscine, elle est genre juste ici en dessous. Je sais pas si vous visualisez, mais dans tous les cas, je vous montrerai. Mais c'est un peu aberrant. Si je me baigne là avec la vue de nuit que je vous montre à chaque fois là, ça peut être vraiment stylé. Enfin voilà. Donc voilà, je vous montrerai ce qu'on fait du reste de la journée. Bisous. Voilà, du coup, moi je viens de là. Je suis sorti. J'ai pété dans l'ascenseur. Il y a un livreur qui est monté juste après, le pauvre. Et du coup, la piscine, là c'est un petit bassin, je sais pas, et là c'est grand, enfin, je vais vous montrer, mais du coup la vue c'est un peu ça, genre. Nous on est dans cette tour là, c'est la numéro 2, et là, parce qu'il y a deux Fort Tower, ça s'appelle, il y en a une et deux, et là il y a la numéro 1, elle est immense, et j'ai regardé sur internet, et c'est quand même le 35e plus grand building de Dubaï, donc il y en a quand même genre 34 qui sont plus grands. Bon, en première place, il y a le Burj Khalifa, évidemment. On le voit de partout. Il y a celle-là, là-bas, les deux tours, là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai oublié c'est quoi le nom. J'ai regardé juste avant pourtant. Elles sont très très grandes aussi. Celui-là, il est balèze. Ah, c'est aberrant. Et il y a partout ce genre de truc-là. Là, il n'y a pas écrit, mais normalement, il y a écrit le nom d'une compagnie d'énergie. Je ne sais plus c'est quoi. Il y a écrit truc machin, énergie solution. Il y en a un peu partout des gros trucs comme ça et je crois que je sais pas si c'est pour l'eau ou pour le courant ou je ne sais quoi. La mer c'est par là-bas. Là il y a l'énorme autoroute. Donc voilà.
Attendez, je vais vous montrer vite fait. Petite piscine en mode détente. Voilà, elle est là. Oh, c'est moi, j'ai reçu une goutte. Il commence à pleuvoir ou bien? Voilà la piscine. Il n'y a pas grand monde, hein. Bah, du coup, ça ferme à 22h, donc on peut se baigner quand il fait, quand tout ça est illuminé, etc. C'est vraiment pas mal. Surtout que vous avez vu, celle-là, là, elle fait une lumière, c'est un soleil la nuit. C'est aberrant. Et du coup, il y a dans la tour 1, la salle de sport, qui est juste là. Juste là. Où je vais aller immédiatement. Voilà la team. C'est tout. Bisous. La team. Je viens de finir une plutôt longue séance. Parce que c'est un peu une reprise. Vas-y, à chaque fois je dis reprise, frère. Parce qu'en fait, c'est juste que j'ai pas un rythme consistant. J'y vais juste jamais, frère. Le soleil est en train de se coucher. J'ai fait une petite séance. Là-bas, c'est la salle. Vas-y, j'ai pas voulu filmer pour déranger les autres par respect. Mais avec cette vue-là, franchement, frère, c'est insane, gros. Je crois qu'on se rend vraiment pas compte. Non, je vais sûrement remonter, manger un peu de poulet. Et puis voilà. Let's go. Voici le guide de gris entre l'intérieur et l'extérieur. Est-ce que vous voyez la vapeur qui se dégage de là? Je sais pas ce que c'est, ça. Putain, mais si quelqu'un sait, que quelqu'un me le dise, s'il vous plaît. Les deux grandes tours là-bas, elles se sont illuminées. Il y a les lumières qui s'allument partout. Celle-là, elle est très très grande aussi. J'ai vu. Damac Résidence, je sais pas quoi. Elle est pas mal grande. On voit pas trop le coucher de soleil. Parce que c'est... Toi, je passe peut-être... Si, normalement, c'est maintenant, mais... Je pense que c'est les nuages qui absorbent un peu la couleur. Mais ouais, c'est beau, hein. Ça s'allume un peu partout, là. Mais franchement, c'est pas mal. Hier, c'était late, il y avait pas les travaux. Là, ils ont repris, je pense, ce soir. Mais c'est magnifique, les gars. Franchement, la piscine. J'ai envie de venir à la piscine. Je pense que je vais monter, manger un bout de poulet. Il reste du poulet KFC là. Et je vais revenir piquer une tête là. Quand tout sera illuminé, ça va être insane. Bien sûr, on voit celui. Ce bâtiment, il me fait trop chier, frère. Non, c'est insane, franchement. Je vais chercher à manger. Enfin, je vais manger un petit bout. Et je pense après, je vais à la piscine rapidement. Foutre ma transpiration dedans. Non, je déconne. Mais ouais, franchement, c'est génial. Nouvel objectif, hein. Bon, allez, bisous la team. Je vous retrouve juste après. Bon, la team. truc excellent, c'est que ici, dans les Émirats, il y a du Mirinda qui est fabriqué, produit du coup. Et c'est genre une boisson, genre comme, je sais pas, comme de l'oasis, tu vois, quand tu vas au fast-food, KFC, McDo partout. Ah, on entend les... Quand tu veux fast-food, KFC, McDo partout, et ben genre t'as le choix entre Pepsi, 7-Up, tout ça, Mirinda. Et ça, c'est excellent. Du coup, là, je vais me mettre bien, je pense. Et... Ah oui, ça, je voulais vous montrer. Mec, c'est insane. L'électroménager, etc. Tout est excellent, tout est bien fait. Sauf que le seul truc chiant, c'est les prises. Du coup, c'est pas des prises comme chez nous. Genre, c'est... Par contre, du coup, toutes les prises ont un interrupteur. Ça, c'est insane. Genre... Vraiment toutes. Donc là, c'est vraiment la machine à laver qui a son bouton. On peut l'éteindre. Attendez, je vais vous montrer aussi. Pareil là, genre washing machine. Tu l'allumes, tu l'éteins. Le ballon d'eau chaude, tu peux l'éteindre. Genre comme quoi, il y a des petites économies qui se font quand même. Hein. C'est pas juste parce qu'il y a... Ah, j'entends le... Ben oui, je me disais bien. La nuit est bien tombée. Encore une fois, hein, la même vue. Magnifique. Impossible de se lasser de ça. Je comprends pas si on peut pas se lasser de ça. Genre vraiment, c'est insane, frère. Enfin bref, de retour à ce que nous disions. Mais du coup, ça là. Et les lumières, elles sont excellentes déjà. Quand t'es allumé et que tu rééteins, ça change genre l'intensité. Alors vous voyez, on voit le changement de couleur normalement. C'est comme les LED que tu peux acheter genre sur AliExpress, etc. Mais sauf que là, genre, ça marche comme ça quand t'allumes et t'éteins, donc c'est bien. Et en plus, avec ça, genre... genre là, je baisse la couleur au max. Oh, s'il te plaît, frérot. Ah, c'est celle-là. J'avais pas vu. Et là aussi. Et frère, c'est excellent, genre. Tu peux mettre blanc de ouf. Bleu de ouf. Ou moi, je préfère jaune, tu sais, la lumière un peu douce pour les yeux.
Mais l'iPhone il s'adapte tout seul, donc c'est pour ça que vous voyez que ça change. Mais là c'est vraiment jaune de ouf, c'est juste l'iPhone qui a corrigé. Mais du coup, c'est excellent. Et après tu peux vraiment le mettre en mode dodo. Genre tu sais, ça l'éteint limite presque. Celle-là mais blanc. Et là il fait sombre mais... Vas-y, l'iPhone il corrige trop, donc ça c'est chiant. Mais vous avez capté ce que je veux dire. En tout cas c'est excellent. Enfin, voilà, donc là je vais manger du poulet, il y a moyen que je redescende à la piscine. Et ce soir on va peut-être aller à un truc de fou. Vraiment stylé, et je vous montrerai. Allez, bisous la team, je vous aime. Et oui, je faisais une vidéo pour ma meuf et pour les potes, où j'expliquais rapidement. Donc, Emar qui est un promoteur immobilier. Donc un peu, pour l'exemple facile, c'est un peu comme Westfield en France. Vous savez, Westfield Carré-Sénart, Westfield Châtelet-Léal, ils ont racheté un peu tous les centres commerciaux. Et oh mon Dieu! Mon Dieu, on l'a vu l'éclair ou... Attendez, j'arrête la vidéo juste pour voir si on a vu l'éclair. On l'a bien vu en vidéo, let's go. Du coup, c'est un promoteur. Et c'est vrai qu'ils ont construit, il n'y a pas que eux, hein. Il y a là-bas, je ne sais pas si vous pouvez voir, Damac, c'est un très grand promoteur aussi. Mais Emar, il est le numéro en gros. Là, au Dubaï, le Dubaï Creek, c'est by Emar aussi. Il y a un mall, il y a plein de résidences pareilles by Emar. Là, vous voyez, Emar, là aussi. Là aussi, nous aussi, là, là aussi, genre vraiment, la plupart des trucs c'est eux, y compris le Dubai Mall avec le Burj Khalifa, c'est Emar, le Dubai Marina Mall à la Marina que j'ai filmé hier, c'est Emar aussi, enfin bref, c'est incroyable, genre vraiment construit une folie, voilà, donc c'était juste un petit plus par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ça se passe ici, hein. Mais du coup, ouais, tout ce que vous voyez là, un peu plus loin, il y a la Business Bay, ça s'appelle. Là, il y a un peu d'entreprise. Mais tout ce que vous voyez là, tout ça, c'est des bâtiments résidentiels. Il n'y a aucune entreprise. Et ça, c'est fou. Parce que c'est pas un quartier d'affaires. C'est juste des gens, des appartements. Miam poulet. Bon aplatim. Oh la team, je vous avais dit, c'est excellent, il manque que ce soit le meilleur moment du voyage pour l'instant, c'est vraiment insane, ce bâtiment il est aberrant, la tour dont vous parlez, la une, nous on est là dedans, non franchement, c'est le meilleur endroit du monde là, pour l'instant, je précise, non franchement c'est fou. C'est l'endroit où j'étais tout à l'heure, mais de nuit. Elle est belle cette tour, j'aime beaucoup. Non, franchement là, après la baignade, on est vraiment sur un top 1 meilleures vacances de ma vie. Hein. C'est insane. C'est absolument insane.
La team. Oh, il est, je sais pas, genre 3 ou 4 heures du mat. Et vas-y, je décide de sortir juste pour rouler. Ah, une Huracan là-bas sur l'autoroute encore. Du coup, j'ai décidé de sortir rouler, ouais. Parce que pourquoi pas, enfin, j'étais là. Et du coup, je suis venu voir ce grand truc là. C'est immense. Je sais pas si je vais. Je crois que le parking est fermé, donc je peux pas laisser la caisse et monter voir. Mais bon, je pense pas que ça vaille le coup. C'est juste la grande arche de la Défense en deux fois plus grand, peut-être. C'est quand même énorme. C'est un peu loin là. Là-bas, on pourrait apercevoir notre cher plus grand bâtiment du monde. Et ici, vous pouvez apercevoir les petits chats de Dubaï. On va leur dire bonjour. Du coup, ouais, je faisais. Normalement, je vais vous inclure sur moi quelques plans pas en entier. Je ferai une vidéo à part en entier. Mais je faisais la petite vidéo driving in Dubaï. Et voilà. Donc, je suis arrivé ici. Ça va, petit chat. Non, non, non. Ça, c'est pas le bonheur. Entouré de chats à Dubaï, au Dubaï Frame. Oh, mais il m'aime bien lui, hein. Trop mignon, frère. J'adore. Fait chaud, hein. Il doit avoir soif, ces petits chats. Mais ils ont ce qu'il faut. Oh, il y en a un autre ici, j'avais pas vu. Ils ont tout ce qu'il faut, hein. Franchement, ici, hey. Les gars, c'est vraiment pas Paris, hein. Tout est parfait, là. Enfin, t'as point de vue extérieur, hein. 100%. Là, je suis dans les beaux endroits. Oui, je sais. Si je vais à Deira, la vieille ville, etc., ça va pas être. Il doit y avoir des gens qui galèrent un peu. Mais ça, c'est comme partout. Mais en tout cas, c'est super propre, tu vois. Paris, même quand tu vas dans les beaux quartiers, ça pue. C'est ça le problème. Paris, les champs, ça pue. Je suis désolé. Il y a des rats partout. Pas de rats ici. Des chats. Ah, on entend des véhicules. Donc voilà la team. Je sais pas ce que je vais faire là. Je vais continuer de zoner un peu, je pense. Et oh, si, c'est ce que je vais faire là, je vais faire un TikTok de la voiture. Et après, je vais continuer de zoner. Voilà la team. Elle est bien cette voiture. Franchement, si c'était à moi, il faudrait juste qu'elle soit en noir. Je l'aurais stance. Je pense que je l'aurais stance direct. Parce qu'en vrai, c'est beau gosse. Mais l'arrière, il est un peu trop. J'aurais préféré que ça se termine un peu avant et que là, ce soit pas aussi haut. Et... Après, si tu la poses par terre, en vrai, ça peut être pas mal. C'est juste que l'arrière est plus haut que l'avant, comme toutes les voitures de la planète Terre. Ça, c'est chiant. Mais en vrai, c'est pas mal. Parce que franchement, c'est joli. C'est un peu le même style que la Q50, hein, quand on regarde. Sauf que ça, c'est une traction. Enfin, bref. La team, il a commencé à pleuvoir, premier degré. Vous voyez le nuage ou pas? Bon, en fait, je rentre pas tout de suite, je vais juste passer. Parce que c'est vraiment pas... En fait, c'est pas grand, genre. Les pauvres petits chats, ils sont sous l'eau. Vas-y, go, la team, là. Eh, je mets le son à fond, je blast. Rien à foutre. Là, je suis bien, là. Madrugada em São Paulo, nós corta a noite. Fumando droga nesse carro, tô de Land Rover. Glock na cinta pra segurança das caminhadas. Bala nos bicos, Zé Povinho, nosso time é nada. Bandido feroz, nós é gangueiro. Sem desespero, playboy tá em desespero. Tô com dinheiro, cartão preto, ligou até mim. Na Louis V, pimo caro pra essa bandida. Ela quer fazer uma plástica. Fica gostosa pro seu preto artista. E desse jeito quer me conquistar. Mimo caro pra essa bandida. Ela quer fazer uma plástica. Fica gostosa pro seu preto artista. E
Tinha desse jeito quer me conquistar. Passou um pra nós e todo mundo de um tempo pra cá. As coisas fluiu, Deus nunca assumiu vitórias por bom te contar. Eu tava na mera, caminho de pedra, eu tive que caminhar. Controlo uma nave, ando dentro dela, ela sabe que vai me encontrar. Casaco de pele, coração de neve, fácil na cidade. É. Varas aí, 15 no porte do bonde, vai causar sua morte. É. Sonhava com isso, só queria o meu lugar de destaque. É. Agora conhece só pelo barulho do soro que bate. Je me suis garé la team. Mon dieu, les gens qui habitent là, soit ils sont blindés, soit leur famille possède cette propriété depuis longtemps. Mais pas, lui, il est blindé, frère. Faut me faire croire. Regarde le portail, frère. C'est une folie. Il y a littéralement la map de Rainbow Six conçue là, en maison. Je viens d'arriver là. Et si vous pouvez sentir ce que je sens, je sais pas c'est quoi comme fleur ça. Ça sent tellement bon et fort. Genre, c'est un truc de fou. Oh, je l'ai pas vu le chat. Le chat noir. Pardon, je fais peur, désolé. Je te laisse tranquille, gros. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et c'est vide, et c'est calme, et c'est propre. Frère, est-ce que vous vous rendez compte que il n'y a pas un déchet par terre? Pas un seul. C'est incroyable. Mais vraiment, pas un. Ah, j'ai menti. Il y a un petit bout de plastique à côté de la poubelle. Il y a un mec qui s'est pas visé. Non mais à part ça vraiment, c'est du sable. Attendez, je vais marcher un peu parce que j'ai pas envie de mettre du sable partout dans mes chaussures. Mais à part ça, genre, c'est tellement clean. Mon dieu, c'est ça la promenade. C'est comme Venice Beach de GTA là. Ah, c'est mouillé. Oui, ça va, il y a plus. C'est excellent. Bon, est-ce que j'y vais ou pas? Je vais mettre du sable partout. Mais il y a quand même un peu de gens. Hein. Il y a des gens dans l'eau. Ah, il y a des gens. Ah non, il n'y a pas de gens. Ah si, je sais pas, je vois pas trop bien d'ici. C'est grand quand même. C'est une plage publique ici. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de plages privées quand même. Vous savez qu'il y a des hôtels, mais il y a quand même plein aussi de plages publiques. Et celle-là, je crois que c'est une des meilleures, selon Google. Donc voilà. C'est super calme. C'est beau. C'est propre. Je sais pas, c'est... Franchement, c'est excellent. Et la lumière, genre c'est fait exprès pour aller à la plage la nuit. Les gros spots là, ça éclaire toute la plage. C'est pas comme quand t'es en France, tu sais, tu vas aller te baigner à la plage, bah la nuit, bah déjà il fait trop froid. Même en été en vrai l'eau elle est froide, allez pas mentir. Et en plus de ça, mes frères il fait tout noir, tu ne vois rien. C'est pourquoi les gens vont se baigner à poil la nuit, frère. Ils sont chelous les Français. Vraiment. Et ouais, et en tout cas c'est pas mal. Mon dieu, qu'est-ce qu'elles sont belles ces maisons, mon frère. T'imagines, t'habites là à Dubaï, au bord de la mer, genre. Ça c'est une île là-bas, c'est l'île, je sais pas si vous voyez sur map. De toute façon, je m'entendrai là, à ce moment-là, et je vais le rajouter. C'est l'île en forme d'hippocampe. Sur Maps, normalement, on la voit. Donc voilà, celle-là. Vas-y, je vais essayer d'aller un peu sur la plage, là. Marche un peu, mais c'est long. Je pense pas que je vais aller jusqu'au bout. De toute façon... C'est petit en fait, vous voyez la délimitation, c'est pas très grand l'endroit où on peut se baigner parce qu'après il y a énormément de bateaux, là il y a le pont etc, donc je pense que c'est normal. Je crois qu'il y a des gens dans l'eau. Les gens ils sont en détente hein. Bon, franchement c'est vraiment pas mal. Voilà, je pense que je retourne à la bagnole là parce qu'en vrai il va être tard et il faut pas non plus que je ruine la journée de demain en étant trop fatigué. Donc voilà team, petite escapade nocturne. Pas vu énormément de choses, mais c'est déjà pas mal. Sur ce, la team, bisous. À demain. Donc là, on est jeudi, demain, vendredi. Et on va voir, hein. On va voir ce qu'on fait. Rien de prévu, hein. On fonctionne comme à l'ancienne. Enfin, plutôt même à l'ancienne, il devait prévoir, mais bon, bref, prévoir rien. C'est l'heure de la salade. Ça aussi, mais qu'est-ce que c'est excellent, qu'est-ce que c'est beau à entendre. Elle est juste là-bas. On entend celle de là-bas aussi. On en entend trois. Il y en a vraiment pas mal des mosquées.
attendez, la voiture est là, je passe par où là? Mais ouais, je disais, il y en a vraiment pas mal des mosquées. Dans chaque petit morceau de quartier, t'en trouves une. Genre, franchement, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Les gens, ils sont tranquilles. Sur la plage. C'est tellement calme, genre. Et tu sais que tu peux marcher comme ça? Genre, même en, moi, en étant un étranger. Après, c'est normal, tu vois, c'est Dubaï, mais... Genre, tu risques rien, tu vois. C'est sûr, je pouvais marcher avec des billets qui tombent de mes poches. Personne ne fera rien. C'est calme, c'est safe. Genre là, si j'étais une meuf, je me baladerais, là. Au calme. Franchement, ça sent trop bon. Bon, je retrouve ma petite Mazda 6. Elle est belle, en vrai. Vas-y, la team. Je vais me rentrer. Bisous. Bisous le chat. On a entendu un V8, classe G, c'était un Mercedes. Enfin bref, bisous la team. Faut que j'arrête de trop parler, en vrai, des fois. Allez, bisous. Alors là, c'est vraiment des... ruelle à l'ancienne, on pourrait se croire en Algérie, bon un peu mieux, en vrai. Et là, t'as ça comme vue. Si ça c'est pas incroyable, sérieux. Franchement, je trouve que le contraste, c'est vraiment ce qui fait le charme de cette ville. Parce que quand même, toi c'est très... Ah, attendez. Elle est des T37, hein. Oh, c'est beau. Et ouais, je disais, pourtant c'est un peu démesuré et c'est un peu, selon certaines personnes, c'est un peu perdu. Enfin, c'est pas perdu, mais le côté touristique et extravagant a un peu mangé le côté culturel. Mais tu vois un peu quand même, franchement. Et encore, on n'est pas allé à Deira, les anciens quartiers, etc. Donc, c'est pas mal. Les gars, je fais que de répéter, mais j'aime trop ici. Hein. C'est trop bien, frère. Faut que je vois encore plus, genre. Faut que je vois encore le Qatar, faut que je vois Abu Dhabi. Peut-être que je vois Koweït, mais... Je sais pas, en tout cas, c'est excellent. Faut que je vois la Chine aussi, en vrai, de vrai. Faut que je vois la Chine. Mais je pense pas que la Chine serait ce genre de visite où je me dirais « Ah ouais, là, je me vois trop bien habiter ici. » Non, impossible. C'est trop différent. En fait, ici, c'est trop différent, mais dans le bon sens. Genre, ouais. Eh, gros, je sais pas m'expliquer. C'est vrai, ils vont tous aller prier en trottinette. C'est le mec. Ça se trouve, ils rentrent juste chez eux, tranquille. Encore là, c'est beau. Hein. En plus, elles sont toutes belles, toutes neuves. C'est quoi ça? Je sais pas, mais c'est beau. Franchement, c'est excellent. Vas-y, la team, je me rentre là. Vous inquiétez pas, j'ai pas raté la sortie. C'est normal de faire demi-tour, c'est le GPS qui dit. Allez, bisous.
La tour, la team, elle est là. Là, il y a la numéro 1. Vous voyez comment elle est. Vous voyez comment elle est immense par rapport à la nôtre. Je l'avais dit. Voilà, ça, c'est tout ce qu'on voit depuis au-dessus. Là, le grand chantier. Quand je vous dis qu'on se rend pas compte comment il est grand. Les grues, c'est pas des mini-grues, hein. C'est des vraies grues. C'est juste qu'on est super haut. Et encore, on n'est pas très haut. Et que eux, ils ont un sous-sol de fou. Et là, il y a le majestueux. Alors, franchement, c'est incroyable. C'est juste là. Et le frérot à la barrière, il est trop tigeant. Il a dit que. Il m'a dit, you looking very good tonight. Ah, gros. S'il meurt ma gueule. C'est vraiment juste parce que j'ai un dourac, frère, et que c'est un Renoir. C'est pas que j'ai une calvasse. La team, vous voyez ce que je vois là? C'est une M4 là. On reconnaît tous la petite face avant. Et là, c'est le moment où je comprends rien. Je sais jamais comment. Comment qu'il souffle, bordel, frère. Attendez. C'est bon la team, j'ai juste sonné en fait. Je fais un petit tour là, en voiture directe. Normalement je vais là-bas pour descendre au moins 3, donc là on a une petite Roma, des familles. Des Rolls Royce, il y en a pas, littéralement partout. Des voitures lambda, c'est quoi ce gros truc? Un Pajero, incroyable. Mon dieu, qu'est-ce que c'est beau. Oh, le 91 GTS, non? Ou je me trompe? Un turbo. J'ai vu les 4 sorties. Petit série 7. 740. Mon dieu! I7. Oh là là. Le tank. C'est immense. Déjà, je suis dans une grosse voiture. Je vous jure qu'une Mazda 6, c'est balèze comme berline. Oh, petit Cayman, moi. Non, Boxster. Non, Cayman. Classe Brabus. Classe S, classe S. V12, normalement, quand je suis passé la dernière fois, c'était dans l'autre sens. C'est des 600. GMC Yukon, bah, t'es le truc des Américains, c'est balèze. C'est une folie. Encore un petit classe G. Au plaisir, évidemment. Lui, là, il a le combo. Hein. Il est en détente. Et après, on descend au moins 3. Mignon. Ouais, rien de spécial. Rien de spécial ici, j'ai quand même l'impression. Les gens blindés sont raison de passer en haut, hein. Ils vont pas faire 6000 étages pour aller chercher leur bagnole. Tu vas là. Il y avait une Charger. Vous l'avez vu. Ah, il y avait le GLE, c'était un 63S, j'avais pas remarqué. Il fera après ça un GLE quand même, on s'en fout un peu. Il y a une petite Charger, c'est une skate pack. Ah, même pas, on dirait. C'est juste un pilier ici, il y a plein de... J'ai regardé les voitures un peu... Là, et bien sûr, la 992, ça je disais, je sais pas si je vous ai montré ou pas. Je sais pas si... C'est quoi, c'est une Turbo S? Je sais pas. Je reconnais pas sous la bâche comme ça. Mais ouais, il y a plein de... C'est là ma place. Et là-bas, il y a une petite Bentley aussi. Et ouais, je disais, il y a plein d'américaines. Quand je cherchais des voitures pas chères pour louer, et je me suis dit, vas-y, est-ce que je ferais pas un petit tuning? Il y a plein d'américaines pas chères, mais la plupart c'est des V6. V6 avec des kits ZL1, V6 ou L4 White Body, des trucs. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, je me garde la team. Oh, ça c'est un truc que j'aime trop. La caméra de recul, elle est dans le... Attendez. Elle est dans le rétro. C'est excellent. Ainsi que les clés, ainsi que ça qui m'a servi à mettre le téléphone sur mon crâne pour filmer. Mon dieu, qu'est-ce qui fait chaud à chaque fois que j'ouvre cette porte. Soit il fait vraiment chaud dans ce pays, soit la clim de cette bagnole elle envoie. Je pense que c'est un peu entre les deux.
C'est pas mal. Nissan Patrol. C'est énorme. La plaque Abu Dhabi, elle est belle. Elle est belle cette plaque. Il est beau ce véhicule. Hein. Mon dieu, qu'il est énorme. V8. Balèze. Il y en a un autre là-bas, je crois. Aïe. Je vais y tomber. Petite Bentley sous bâche. Allez, on remonte. Barbie. Faut que j'aille voir ça, j'ai pas été voir ça. J'étais là, ça j'ai vu le quatrième cinéma. Je pense que demain je vais visiter un peu. J'aime trop la musique qu'il y a à chaque fois. Masterclass. Et ici, comme je disais, que du truc chinois. Il n'y a pas de Otis, Schindler, etc. Et donc, ouais. Tu ne retrouves pas du tout les mêmes marques. On ne retrouve pas les mêmes marques que chez nous. Alors, par exemple, tout l'électroménager, c'est cette marque. C'est chinois, bidé. Et pourtant, c'est excellent. Ce frigo, il est insane. Voilà, la team. Je vais manger des petits gâteaux qu'on a achetés pour l'Aïd. Et après, je vais me dormir. Bisous, la team. Bonne nuit.